Il avait des S à la Icieuse aussi, c'était rigolo. Merde, il faut que je reset. Ah, il faut que je quitte le jeu, que je relance. Bon, c'est pas grave. J'avais pas pensé. Je suis con. Je pensais qu'il suffirait que je fasse reset comme un jeu normal, tu vois. Ouais, mais non. Et en fait, non. Ça, je trouve des repères sur le fond d'écran pour pouvoir essayer Press de faire une taille à chaque fois. Ouais, à chaque fois, c'est différent. Capitale alsacienne du pain d'épices. Ah bah ça... Oui, en même temps, c'est vrai que 67... C'est quoi, 67-68 pour un barin. Je me suis pris les vieux poissons comme un gland. Voilà. Oh là là! Heureusement qu'il y a de la vie après Scorpion. Donc ouais, si t'as pas la lance tout de suite, on est d'accord, tu peux pas avoir la voile ou pas? Ah ouais, avec un saut bien passé. Ouais, mais c'est des ressources limitées, elles sont pas mal utiles contre les boss au début en plus. Ouais, il donne 5 de gold. Alors t'as une économie assez spécifique, tu récupères pas ton argent. Tu récupères pas ton argent, ta vie à la fin des niveaux, mais par contre t'as des shops. Par contre, une fois que tu vas au shop, le shop disparaît. C'est assez unique. Voilà. Enfin, mais c'est dans la ville, c'est le ghetto qui a. Ouais, il est possible que je meure. Et le cas échéant, je devrais recommencer. Ouais, hein. Il déconne moyen, est-ce que t'as récupéré la lance? Alors, à chaque fois que tu récupères une arme, ça te swap l'eau, donc t'auras jamais une lance quand t'as une lance, ça te donne l'autre. Après, il faut faire un choix. Le speedrun ne te semble pas trop aimer la lance, ouais, ça c'est bien. Bon, c'est de fin du jeu. Gratuit, hein, c'est pas mieux. Ouais. Ah, il donne des petites mandales. Hein, boss. Et voilà, je finis encore à 19, donc ça va être à peu près optimal, 19 à la fin du niveau. 3 minutes par contre pour un niveau, ouais, là le délire. First try hier, game over sur Medusa au first try, c'est nice, putain. Est-ce que t'as tué le colosse? C'est... Yes. Ah oui, il a m'appelé comme ça. Voilà, et alors... À tout à droite et tout à gauche, les deux villes là, c'est des shops. Donc faut y aller quand t'as un peu de vie. Un peu d'argent, pardon. Faut y aller quand t'as 20 en gros. D'accord. Sinon ça sert à rien. Oh, voilà, sort, ok. Ouais. Et alors, les drops sont random. Dans les sauf certains, mais en général les drops sont random. Tac. Donc tu vas vite comprendre le problème au niveau 2. Un coucou de Akashas qui teste SRL pour son qu'on rejoint le futur Blind Race. Oui. Casse-toi ou juste race d'ailleurs. C'est chiant les pets de temps en temps. Attends.
pas des petites villes hein, par là. Non, c'est vrai? Ouais. Oh putain, je suis obligé d'aller chercher alors. Il faut trois. Et en plein milieu, à côté de la plante, t'as un truc caché sur le mur gauche. Sur le plafond gauche. En plein milieu, genre du niveau. Bah, tu sais, t'as trois. Le niveau, en gros, il est sur trois niveaux le level. En plein sur le niveau dans lequel tu commences, au milieu t'as une espèce de plateforme avec des fleurs en bas, avec une fleur au sol. C'est, t'as une pièce. Ouais. Ah ouais, où ça? Putain. Porte de pinaille. Dans le niveau 2, il n'y a pas de petite pinguerie hein, au milieu. Ah, donc on parle. Les toits étages du milieu, c'est pas le même. Il y a 4 étages en fait. Et moi je parlais du bas et toi tu parlais du haut du milieu. Tu es happy, c'est le week-end. Alors là il y a 5, tu dis. Il faut taper dans le plafond? Il y a un bruit du plafond, il n'y a pas de pique. Genre là. Je vois pas. Mais si, il y a la grille. Ah, genre un bout vertical, ouais, qui a pas de pique. Oui. Bah. Ah, oula. Ouais, c'est dans le plafond, quoi. Ok. Du côté du squelette, en fait. Ouais. C'est juste en dessous de l'entrée. Ah là! Ah oui, merci! J'ai trouvé. Je cherchais à gauche et en fait t'avais dit à droite. Et là il y a des flèches aussi, tu dis? Ouais, ouais. Ah oui. Alors, Rose. Ouah, t'es trop fort en. T'es trop fort en piège. Ouais, Renaud. Tu vas mourir plusieurs fois. Ah bah c'était vite. Ok, je crois que j'ai trouvé plein de secrets, j'ai plein d'argent. J'ai plus de points de vie par contre. Il faut faire gaffe contre l'hydre. Et puis l'arc quoi. Ouais. Très utile contre les mecs au couteau. Tu vas prendre le réflexe de le faire sans armure et après tu vas te trouver quoi. Oh merde. Par contre moi faut que j'achète de la vie avant de... Ça coûte combien un gigot à la vie? Il n'y a peut-être pas de gigot en vente. Il y a un foulier au début, Nicolas? Ah ouais, t'as un plus 1. Ouais. Ah c'est une pièce. Parce que t'as un plus 1 juste à fond. Oui, reste à côté. Alors est-ce que je vais acheter tout de suite? J'ai 34, je peux acheter tout de suite, hein, d'accord. Mm-hmm. Au-dessus du gamin, hein? Ah oui. Nice. Putain, je suis à 70 flèches quand même. Le fruit. Je vais aller faire la forêt d'abord pour avoir une vie supplémentaire. De toute façon, on perd tout quand on utilise. On est d'accord. On perd tout quand on utilise. Quand on perd une vie, on perd tout ce qu'on a. On perd les flèches et tout. Ah non, on perd peut-être pas les flèches.
Salut Pined, comment ça va? On a plus qu'un splash. Merde, enfoiré. Je vais faire un tas de choses. Non, enfoiré! Non, je suis perdu ma première vie! Oh, j'avais oublié ce mec là. Et là, évidemment, la vie repop pas, j'ai perdu mon armure. Ah, c'est chiant ça par contre. J'avais oublié, il faut pas paniquer, il faut complètement avancer là. Oh la vache! Et là, évidemment, plus de vie. Ah, je me sens un peu con. Ceux qui font ouais. Oh l'enfoiré, je comprends rien peut-être. Ouais bah j'ai récupéré une vie pour perdre une vie hein. Ça aura pas été très intéressant. Bah allons faire le niveau du colosse. Par contre tu l'as refait hier et moi je l'ai pas refait hier donc je me sens un peu faible. Allez ta cuisse de poulet dès que tu commences. T'essayes d'ouvrir tous les... Tous les blocs ou pas? Non, non, pas dans... Enfin, en règle générale, j'ai commandé tout le temps. Ah oui, putain, il me faut 20, moi, à la fin de ce niveau. C'est 25. C'est 25? Bordel. Ah ouais, donc il faut absolument faire le colosse. Les ennemis drop que des points. Ça sert à quelque chose les points? Je suis à 12 000 points. T'en es où, Renaud? Et oui. Et oui. Il est bien le jeu. Ah, casse-toi, toi! Et t'as réussi le colosse tiré dans sa main avant un truc machin? Le problème? Non, je parle à Bérou. Je. Le mec qui vend la clé. Ouais, je crois qu'il suffit d'attendre ou de... Ah, de lui parler deux fois. Ah, je crois qu'il faut lui parler deux fois avant, si t'attends à côté de lui, t'attends qu'il meure et il drop une vie quoi. Nice. Lucky. Ouais, oh merde, j'ai pris la spire. Je meurs forcément contre le colosse avec la spire, on est d'accord. Il y en a eu au début. Ouais, mais je l'ai pris au tout début, justement. C'est un passage que je connais très mal. C'est vrai. Je me sens juste un peu con d'avoir oublié quoi. Ouais, je suis mort, je pense. Ouais. Oh putain! C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Une minute! La vache! Après en speedrun, il n'y a pas de speedrun good ending donc. On fait un peu de speedrun pour l'instant. Mmh.
Mais j'ai 15. Il me faut plus d'argent que ça. J'ai 21. Il faut 25, tu dis ? Ouais. Après, il y a peut-être de l'argent juste là. Ouais. Ou dans le niveau du minateur. C'est tout ? Elles sont où les pièces cachées dans le minateur ? Vache. Ouais, vache. Y'a pas de temps. Ah là, genre. Putain, t'as l'œil ou comment t'as fait ? Mur de droite. Mur de droite, t'es sûr ? Tout en bas, mineur de droite. Ah oui, tu tapes. Putain. Merde, mais t'es un pro fouilleur, quoi. Toi, hein. Tout en haut, au plafond ou juste avant de rentrer dans le minoteur ou juste avant? Non, sur la plateforme du bas. Hein, ouais. Ah, ok. Ah ouais. J'ai dit sur le même mur. Par contre, j'ai que 23, ça fait chier. Ah. Comment? On peut faire les cavernes de feu avant? Non, on peut pas. Je peux farmer nulle part, je suis niqué. Mais attends, comment t'as fait pour avoir assez? J'ai tout pris, quoi. Mais c'est dégueulasse. Putain, ça se joue à ça. Faut rien acheter. Ah non, moi, j'ai pas. Moi, j'aurais pas pu acheter des trucs, mais c'était assez. J'ai pu acheter par les gens de 50. Quand je suis arrivé... Oh mec, c'est vrai, t'avais 52. Ouais, c'est ça, ouais. Mais t'as fait la forêt? Non. Mais en plus, j'ai fait la forêt, quoi. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah, t'as peut-être pas acheté la vie supplémentaire en fait. Ouais. Et oui, c'est trop. Après, le Minotaur il devrait donner de l'argent si c'était moi le game designer. Il est chiant ce Minotaur. Ouais. Et on peut pas refaire les niveaux une fois qu'on les a fait une fois, ouais, je suis niqué. C'est complètement con. Et y a pas d'argent caché au niveau du marchand par un petit 5. Faut que je reset, t'es sérieux. Ça me saoule un peu ça. Ah ouais, c'est lui qui donne. Et ensuite, faut attendre une minute au timer. Et y'a pas d'argent. Ouais, le jeu est pas facile. Bah non, dans le speedrun, il fait pas le good ending, donc il s'en fout. Mais moi, moi je fais le good ending, donc si je fais le niveau suivant, je peux plus récupérer l'arc de machin truc. Utiliser toutes mes flèches et puis je vais recommencer hein. Tant pis. Ça me dégoûte un peu. Putain mais faut attendre 1000 ans. C'est pas grave, j'étais mort une fois. Deux fois même.
Ah oui, il revient en arrière pour acheter la clé, mais comme ça il a une clé supplémentaire au niveau de la méduse. Et comme ça il a pas besoin de chercher au niveau de la méduse. Mais ouais, il a la vie, voilà. Ce qui signifie que le mec est mort, j'imagine, en fait. Allez, on recommence. Après, faire et défaire, c'est recommencer. Donc voilà, je vais recommencer à peu près 20 minutes. Putain, mais Beromondo, il va être trop fort. Ah, je me suis pris le premier lézard. Il va être trop fort en secret à la fin, il aura 50 sur 50. Boss optionnel. Il est comment? Putain, j'ai découvert des trucs trop forts. Bon, moi j'ai perdu une vie au premier niveau, on va recommencer tranquillement. Ah ouais, donc en plus, non seulement je fais ça, mais en plus je vais pas y arriver du premier coup, donc je vais en plus devoir resetter après. C'est pas grave. Ah oui, ouais, c'est un peu le stress. T'es pas obligé de le faire, le niveau est optionnel. Ouais. Et moi j'arrête pas de voir le truc qui se détruit et je prends l'avance à chaque fois. Quoi. C'est la musique, faut qu'il a plus de poules. Est-ce que vous croyez qu'on peut farmer les points dans ce point de jeu? Cassez-vous. Je me suis toujours demandé s'il y avait vraiment des gens qui jouaient au jeu de plateforme action comme ça en mode scoring. Ah, j'ai fait le max score dans Curse Officieux, je suis trop content. Parce que je sais, genre Ghouls and Ghosts, il y avait des gens qui faisaient des loops pour avoir le max score, quoi. Ouais, c'était vrai, quand il avait raconté ça dans un speed game. Ouais. Ouais. Trop bien, je suis arrivé dans la forêt, je me suis pris un hit sur le premier mob. Dans la forêt? Tu l'as jamais fait ou quoi? Oh, il y avait un truc caché là. Mais en fait, faut trop taper au pif tout le temps dans ce putain de jeu. Parce que là, il y a vraiment un truc caché vraiment au pif, quoi. Ah ouais? Quel endroit? Je suis le premier mec qui lance des coups de tour. Là, genre en haut, il y a un truc caché, non? Il y a de l'RNG. RNG dans les blocs? Ouais, c'est RNG, mais c'est parmi un set de choses fixées. Ouais. Bah, les deux viennent se jeter dans la flotte, en fait, à ce moment-là. Si tu détruis le bloc assez vite, sinon il y en a qui est sauvé par le bloc. T'as récupéré des flèches. Clop, 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 clop. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en tout cas ce que j'ai remarqué. Les ruines forgotten. Putain,
putain, la première fois on s'était fait défoncer. Hein. Ouais. Mais Renault il a. Bah ouais, il est pas. Il est pas record du monde. Ah oui, t'as pas touché carrément. Mais moi, il saute jamais avec moi. Alors, je sais pas ce que tu fais pour le faire sauter, mais moi, il saute littéralement jamais. Hein. Ce boss, j'ai toujours pas compris comment on le fait sauter. Parce que une fois, il a sauté, j'ai pas compris parce que je l'ai toujours sauté par-dessus. Ah si, dans mon premier playthrough, j'avais l'impression que c'était complètement chaotique. On sait jamais, on tape partout. Dès que le plafond a l'air un tout petit peu différent, je m'y jette et je m'y tape. Lame de feu. Me donnera la méthode de Gonzo. Ah mais lui il est trop chiant, il court en diagonale. Le timer fout la pression que t'es large à chaque fois. Le timer est assez large. Ah, j'ai pas mais moi je suis un garçon qui a la pression de base. Non, en fait c'est plutôt les vies et la vie en fait qui fout la pression dans ce fin de jeu. Vraiment. Courir en diagonale dans un jeu en 2D c'est dur. Et War Mantis. Peu de respect pour les gens en diagonale. Les upgrades restent tout le temps, alors je sais pas de quel upgrade tu parles. L'armure par exemple, quand tu meurs, tu la perds. J'ai 4 flèches, tout va bien. Merde. Donc, faut arrêter de se faire toucher par lui là. Ok. C'est un peu chiant de pas avoir le droit de perdre un seul hit par contre. Hein. D'acheter des hits en plus quoi. C'est... Ah oui, tout au bout là-bas. Nice. J'ai jamais été juste ici. T'as pas loupé une pièce dans la salle du boss? Oh, peut-être. Je dis pas que je ferais le 100%, mais je connais vraiment très mal, hein, donc... Oh, l'enfoiré! Mais putain, meurs! Tellement taper tout le temps partout, n'importe où.
Ah bah non, la dernière fois il s'était jeté dans le vide lui. Ah non, c'était pas une pièce, le bloc en loot, c'était un changement d'arme. La ville ravagée. What? Pourquoi il a explosé lui? Ils explosent les squelettes dans la race des villes ravagées ou quoi? Ouais, il faut un coup à droite, un coup à gauche. Attendez, il y a des statues, il y a forcément un truc caché. Il y a une recette pour tuer un boss rapidement. On de recette, hein. J'ai des recettes pour de la recette pour rien, hein. J'ai pif, hein. Ah, j'ai la lance, il va falloir que je change, pas oublié de changer. Ah oui, avant Médusa, j'ai cru que t'étais déjà à Hades, on disait what? Je sais pas, je suis tout bourré, excusez-moi, oui, j'ai lu recette alors que je lis tellement vite en fait le chat que j'avoue que personne n'a jamais dit recette, excusez-moi. Je sais pas, j'invente des mots, je complète, mon cerveau il fait ah, il y a quelqu'un qui a dit un truc, vite, invente des mots. L'arc a une réelle utilité contre les boss, j'ai l'impression, par exemple, contre Hades, c'est OP. Ouais, hier c'est là où j'avais perdu ma première vie aussi. Donc, hein. Non, il n'y a plus de continuer. Hein. C'est vrai? Pourquoi? Ah, t'avais plus de continuer? Pourquoi c'était mort pour la bonne fin si tu meurs contre Pinza? Ah bon? Mais non, pour la bonne fin, il suffit de tuer toutes les âmes de avec l'arc de Médusa. C'est les secrets, c'est pour le bout de l'énigme. Bah tu sais, tu prends ton arc de ouf, et il faut arriver avec suffisamment de flèches pour tuer toutes les... Avec l'arc de ouf, en fait, tu peux tuer toutes les loupiottes à Hades. Mais c'est ça la bonne fin. Voilà, exactement. Tu feras parfait. Sans moi. Je sais plus si j'ai pris ça. Ah pardon, j'ai parlé des secrets et tout, mais j'ai... Enfin je crois hein, je peux me tromper en plus. J'ai 90 flèches. Il est tout bourré. Ah non, mais par contre je bois pas. Enfin, je bois.
Voilà. Boire ou streamer, il faut choisir. What? Putain. Mais casse-toi. Salaud. Comment ça, t'as pas vu un seul mur que tu peux casser? Il y en a partout des murs que tu peux casser. Des blocs que tu peux casser? À la... à Castlevania? Non, je crois pas. J'ai perdu pas mal de vie. Ah, tiens, elle est à la... Ah, il a les boules en diagonale. Il y a peut-être un truc caché là en sautant. Je suis sûr dans les arènes de boss à certains endroits. Voilà, là j'ai 34 pièces, je suis là. C'est quoi l'utilité du Minotaur? C'est pour le trending? Tout à fait. Et là, je pourrais avoir besoin de flèches. Est-ce que j'ai plus besoin de flèches ou de bouffe? Ah, je sais pas si ça reset pas le timer, ça. Pardon. Un Minotaur, c'est toujours utile à proposer des questions. Assez peu honnêtement, parce que ouais, parce qu'en fait par salle c'est toujours les mêmes loot, hein, donc à part niveau, donc Ah oui oui, par contre pour ces niveaux là, ouais. Bah ouais, mais il faut connaître la route optimale pour fouiller tous les trucs. Burning Mountain, ça va. La musique est bien de ce jeu, il y a un bon film. Hop, quel con, j'ai sauté dedans. Un steak de Minotaur, bam. Tout de suite. Parce qu'elle bouffait les choses. Wouah. Wouah. Je me fais arracher au Burning Mountains. Ouais, il y a des salles qui sont fixes. Il y a de la vie et tout. Tu conseilles quoi contre le boss du... Le boss qu'on a jamais fait, le boss de Secret Enemy? J'ai l'impression que la règle c'est la lance quand on connaît pas et l'épée quand on connaît. Oh l'enfoiré! Ah, j'ai pas du tout cherché de trucs cachés dans Burning Mountains. Il y a pas grand chose d'intéressant, il me semble. Tout ce que j'ai trouvé, c'est des petites pièces de rang. Ouais, mais à la fin, il faut les secrets. Ah, il y a des flèches là, je veux les flèches. Je sais pas comment on ira, mais je les veux. Attends, oh, je suis passé. Ok. Bon,
à savoir. C'est comme ça. L'enfoiré! Putain, le mec des Burning Mountain qui te fait retomber tout en bas, c'est bien chiant. Quelle vue? Ah oui? Tiens, j'avais même pas pensé à ça. Non, ce saut, je sais pas comment on le fait. Hein. Je sais pas du tout comment on va chercher ça. Je sais pas si le Beru, tout ça. Dans les Burning Mountains, à un moment, il y en a deux, je sais vraiment pas les chercher. À moins qu'il faille faire un damage boost. Ah non, on va casser un saut assez précis, c'est tout. Ouais. C'est un saut au bout. Je sais pas si c'est pixel perfect. Ah, arrêtez de repop! Un gonzo. Il est pas mal. On est toujours sur ici au sommet. Je sais pas si c'est ça. Oui. Ouais, apparemment ça va pas coûter grand chose. Putain. Je comprends rien aux ennemis, je les connais pas. Beru, allez. Ah. Ouais, avec la lance c'est cool parce que... Oh merde! Non. Non. Non, tu passes. Sois pas si direct. Par contre, là, je vais peut-être perdre ma première vie. J'annonce. Ok. Oh! Elles rebondissent, les bulles. C'est pas illégal les bulles rebondissantes? Je croyais. Ouais, ça c'est vieux. Ah ouais, quand il y a 15 trucs, ça va faire que la vie. Oh merde! Putain, il avait plus grand point de vie. Je recommence où? Bon, je recommence juste là. Ah, par contre, j'ai plus de vie. Who are you? What is this place? I'm Hephaestus, le blasphémus des dieux. Il a été... Ah, il a esquivé, il s'est protégé en faisant Talos. Et Hadès est méchant. It's not just a powerful weapon to find the lost soul. Melvis, this bow will break our chain and help you in your quest, Athena Bow! Oui! Bon, j'ai tué. T'avais tué le vieux man? Le vieux, tu l'avais tué? Enfin, t'avais battu la Festus. Ah, et tu bats pas les harpies! Oh.
Ça doit te faire penser à Volgar. Oui, un peu une vibe Volgar. C'est plus Castlevania mais que Volgar. J'ai pas d'armure par contre, donc ça pue du goût là. Bon là, il y a obligé, là, il y a des trucs cachés, je sais pas. Bon, il y a des trucs cachés obvious au début de Medusa dans, dans l'entresol. Hein. T'as combien de vie? Si t'es à 3 au marchand, t'as pas gagné. Pour celle de base. Ah, mais tu vas pas chercher celle de. Non, je peux la forêt. Ah, ok. Je recherche la 5%. Autant pour moi. Oh, l'enfoiré. J'ai mal évité. C'est ma faute. Ah mais non. Oh non. Mmh. Ah, faut pas tomber. Dans les forêts, dans les trucs de feu. Eh oui. Sinon tu recommences. Tu retournes. Oh oh. Je sens le temple de Musa pourri. Je le sens venir. Oh l'enfoiré. Ah les mecs ils montent en diagonale. Ok, j'ai mon armure mais j'ai toujours pas de clé dans le temple de Médusa. Nanana. Oh l'enfoiré! Je suis bien mieux. Première clé. C'est lié. Ah merde, ouais, c'est trop chiant. Ça arrive. Non, c'est vrai? Oh là là. Ah mais ça fait trop mal l'arc depuis que j'ai le truc d'Athéna. Non. Non, non, je suis tombé. Véro, je suis tombé. À la fin, j'avais mes 3 flèches, j'avais tout fait. Oh putain. Sur le chemin du retour du petit sentier de la lave tout pourri. Ah, ça me vexe là. Ah, ça me pète les noix. Alt F4 Alt entrée. Non, sur les instructions, il est marqué F4 pour le full screen. Putain, tu lis les manuels, toi. Il y avait que. Oh putain. Il y a le Redmi dans l'ancien jeu.
Putain, mais il lit les rythmes, mais évidemment qu'il est fort aux jeux vidéo, quoi. Voilà la route. Putain, et moi je le crois pas. Je le crois pas quand il me dit qu'il faut tout faire, quoi. Fou de moi. Des sons 1 bit. Ah bah le ZX Spectrum, ouais. C'est austère. Hein. Après, il a son jeu, il s'appelle l'Abbaye des Morts, je crois qu'on... En fait, c'est pas le jeu qui s'appelle comme ça, c'est l'état du joueur au bout de 5 minutes. En français, dans le texte, c'est vrai. C'est une abbaye en France. Putain, je vais encore devoir retourner à l'endroit qui pue. Putain, mais j'en suis réduit à tirer les putains de têtes de mort à l'arc. Non ! Voilà, foiré. Okay. Jamais, hein. Jamais je le trouve. Non ! Allez mourir! Trop crevé. Foiré. J'en plus de ces trucs qui explosent. Non! Oh vas-y, je perds toute ma vie. C'est vrai, ça a l'air bien. Ouais, ouais. Alors, on me pose des questions. Question bête. Pour l'UD3, les infos, ça sera sur Twitter. Pour l'UD3, soyons clairs, on fait des streams. Donc, les infos seront principalement par stream, soit sur CDV, soit sur ma chaîne, soit sur Nesblog, soit sur la chaîne Ultime Décathlon. Enfin, voilà. Suivez tout cet ensemble de trucs. Ensuite, si à partir du moment de l'annonce de l'UD3, vous venez me poser une question, je vais pas vous envoyer chier. Donc, je répondrai à vos questions. Donc, vous serez jamais perdu. Ensuite, il y aura des jeux nouveaux, et on me demande, ce sera pas les 10 jeux de l'UD2, donc ce sera 10 nouveaux jeux. Et ça sera pas 10 jeux de l'année 2016, par contre, non, ça c'est pas possible. Ah, les jeux sont choisis relativement vieux, exprès, pour que les routes et les communautés de speedrun soient déjà établies, qu'on soit pas en train de router un truc en plus, qu'on sache pas si c'est le jeu c'est de la merde, si c'est bien, bref. Mais alors ensuite Twitter c'est utile pour faire des raids, pour faire des trucs, mais c'est pas nécessaire du tout pour faire du speedrun. Et on ne demande aux gens qui participent à l'Ultime Megaton juste d'être capable de faire du speedrun, le reste on s'en fout. Ensuite on vous demande aussi d'être capable de streamer, d'être capable d'utiliser SRL et d'être capable de comprendre un site, le site Ultime Megaton qui n'est pas encore en ligne. Mais c'est tout, ça va être très facile. On fait tout pour que ça soit extrêmement abordable. Je pense pas que Béomondo, Renault, Gonzo, vous ayez été perdu pendant l'UD2 quant à l'organisation et tout comme ça. Mais par exemple Skype. Ouais. Ouais mais ça je m'en fous, tu vois, c'est limite, c'était le problème de l'UD2, c'est qu'on utilisait Skype et que c'est vrai qu'on attendait que les gens répondent les uns aux autres. Y aura pas besoin de Skype du tout dans l'UD3 si quelqu'un veut faire tout sans Skype.
sans Mumble, sans Skype, sans parler aux gens, ce sera totalement possible. Après, honnêtement, si vous n'utilisez ni Skype, puisque vous n'êtes jamais sur le Mumble et que vous ne faites pas de race SSRL avec les gens, vous allez un peu perdre de la convivialité du truc. Bon, c'est chacun son machin, hein. Si ça vous intéresse pas du tout, ça vous intéresse pas, quoi. Vous êtes qui vous êtes. C'est comme le McDonald's, hein, vous comme vous êtes. Et on est gentil. On peut jouer en fait au jeu. Bah c'est cool. Parce que j'avoue que jouer au clavier ça me pétait un peu les... Oh c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et voilà, continue. Ah non, pas encore. Oh, c'est dégueulasse. Je veux pas avoir de continue. Je suis à deux doigts de pouvoir m'acheter l'upgrade de vie quoi. Mais j'ai une RNG nulle qui m'oblige à aller chercher tous ces trucs là, machin. Voilà. Courage, courage, je suis courage, vous inquiétez pas. Mais j'avoue que faire jusqu'à Hades ensuite sans perdre de coups continu, ça va être chaud, mais bon, c'est chiant. Oh ! Oui, bien sûr. Par contre, un truc. Je pense que quand on. Alors, c'est, je préfère le préciser plus souvent pour les newcomers. Il faut avoir un peu l'initiative aussi de venir sur Google et tout ça. On cherche pas. Enfin, de chercher les infos parce que c'est pas le coup, il faut pas hésiter à venir, à parler, etc. Parce que. Là, sinon, on peut... Bah, carrément! Et surtout qu'après, au bout d'un moment, il y a aussi. On peut avoir la sensation que quand on n'est pas invité au race, tout ça, on est pas forcément permis. Alors que en fait, bon, c'est juste que. Globalement, enfin, après, c'est vrai que du coup, quand on est pas considéré, sur le truc. Ouais mais clairement moi je propose des trucs au pif à des gens parce que je sais que ça va potentiellement les intéresser. Genre Gonzo, je sais qu'il va, il va être d'attaque pour faire des blind race. Mais ensuite je le mets sur Skype et voilà. Et puis ensuite il y a les Darius qui nous a rejoint une fois. Et aujourd'hui il m'a dit ouais est-ce que tu veux faire une blind race. Et je dis bah je sais pas, t'as une idée de jeu. Il m'a dit non, bah j'ai fait bah alors il faut proposer un truc. Mais voilà c'est libre quoi. Là les trucs sont ouverts à tous. On accepte Renault alors que bon Renault... Non mais c'est pas ça, mais voilà, il est pas très sympa quoi. Et puis on l'a pas vraiment invité, mais il a dit je veux venir, bah il vient. La conversation est inséparable. Vous étiez pas gentil avec moi. Ah je suis à Max Flash 99, c'est le Max Flash en fait. Ouais, puis je suis là pour assurer ce problème. Non, mais ensuite, ouais, j'essaie vraiment d'être accessible aussi pour tout le monde. Si vous venez me mettre un message sur Skype ou sur Twitch directement, j'y répondrai toujours avec attention et habileté et tact. Et tant de temps, je vous dirais que vous êtes un gros connard, parce que si c'est le cas, j'hésiterai pas à vous le faire remarquer. Mais voilà. Non, ça se passe plutôt bien. Hein. Et puis voilà, comme disait Gonzo, Skype c'est chiant, mais toutes les infos, genre les tournois, 100% des infos de l'UD3 seront sur le site. Donc pour s'inscrire à un tournoi, pour demander des infos, tout ça, tout sera directement sur le site. Il n'y aura pas 1000 liens à retenir. Tout. Le leaderboard sera sur le site. Soumettre un PB sera sur le site. La description des jeux, les règles, tout ça. Tout sur le site. Ouais carrément, ça il faut aller voir les gens, il faut faire partie du truc. Mais streamez vous-même, hein, parce que moi je vais voir vraiment tout le monde streamer quoi. Je fais gaffe, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui stream en journée, je vais le voir, je lui parle. Donc ouais, n'hésitez pas, et puis faites-vous des copains dans l'UD quoi. Mais non, mais je fais gaffe aux gens pour qu'ils se sentent bien quoi. Mais ouais, il faut se faire des copains dans l'UD, ça peut être compliqué quoi. Moi j'ai pas trouvé ça spécialement. Mais non, mais il y a des gens, honnêtement, je peux comprendre. Parce qu'en plus, maintenant qu'on est une communauté existante, ça peut un peu rebuter, tu vois, en me disant ouais, je suis moins bon qu'un tel, je sais pas quoi.
Alors qu'en plus, voilà, vous êtes tous aussi bons les uns que les autres. Hein. Donc, surtout Renault, il est aussi bon que les autres. Mais c'est... Ça va être... moi je vais faire hyper gaffe que les gens se sentent pas exclus parce que je sais pas quoi... Ah ouais, par contre pour le crabe il faut la lance. Ouais, c'est bien que Skype soit moins obligatoire, effectivement. Ensuite je pense que ça a aidé aussi, on s'est tous forcés à aller sur Skype. Et ça a grave aidé à ce que la communauté devienne ce qu'elle est. Mais il y a des gens qui ont des vrais métiers. Mais si tu regardes le Skype d'il y a 6 mois, il était très différent quoi. Les gens se connaissaient moins quoi, c'est normal. Ça parlait mal. Et puis il faut, ouais, pas hésiter, demander un coaching à un tel, parce que déjà, un, vous le trouvez sympa, deux, vous le trouvez bon, trois, vous vous entendez bien avec lui. Enfin, voilà, c'est les affinités, c'est important. Il faut surtout, si vous êtes intéressé par l'UD, faites pas ça tout seul, quoi. Vous dites pas, je sais pas quoi, je sais pas ce que les gens peuvent se dire, j'ai pas envie d'imaginer, sérieusement. Faites les races, faites les trucs, enfin faites pas les races d'ailleurs, il y a des gens qui aiment pas les races, il y a des gens qui aiment pas les tournois, faites ce qui vous fait marrer. C'est hyper important. Non. Ouais, voilà, bah c'est sûr, ensuite faut faire le truc quoi, venir juste pour le. Pour... Vous allez vite vous sentir exclu si vous faites pas des trucs avec les gens et du speedrun avec les gens quoi. Et ça bah c'est normal parce qu'on fait du speedrun quoi, donc les gens qui font pas le truc, le même truc que nous, bah on partage pas la même chose. Oh. Oh merde, je suis mort là. Je suis mort. C'est pas grave. Je devrais pas avoir de problème avec Ruby. Je me suis mal pris. En fait, faut faire vachement plus gaffe à tout dégager. De toute façon, on va tous rage quit quand on va voir la liste des jeux. Nah, c'est pas vrai. Déjà, les jeux. Non, mais on a fait tester à tous les joueurs de l'UD2 un ou plusieurs jeux de l'UD. Les deux UD3, ils ont tous validé. non, mais en vrai. Ouais, et tous les jeux sont confirmés. Ouais, on a jamais douté. Ouais. Mais maintenant, on est à je sais plus à combien de jeux on est. On est à beaucoup, ouais. Enfin, on a dépassé le million. Hein. Ouah ! Ça donne un truc, ça ? Oh, j'ai récupéré l'âme de ma fille. À 74 flèches, c'est pas mal. Ah, par contre, j'ai pas d'argent. Ça, c'est chiant. Je vais pas pouvoir acheter la vie. À moins qu'il y ait un sac. Je crois qu'il y a un sac. Yes, il y a un sac. Je l'ai pas encore vu, mais je m'en rappelle. Par le million de jeux. Ah, oui, il le refait, hein. Ah, bah oui, il est super Golden Ghost. Mais Camilla, mais tous les jeux que j'ai streamés sur mon chat, sur mon truc, vous voyez, j'ai streamé gratuitement, c'est sûr, c'est pour vous. 74 flèches.
Bon, est-ce que j'achète une armure ou de la vie supplémentaire? Une armure, c'est forcément mieux, on est d'accord. Mais après, est-ce que la vie supplémentaire, elle donne un truc? Moi, je prends l'armure. Merde! Ah merde, c'est Cerber d'abord! J'avais complètement oublié Cerber! C'est clair! J'avais vraiment complètement oublié, j'étais déjà en train de taper. J'étais déjà en train de taper à l'endroit où Hades allait apparaître, quoi. Ouais, grave. Oh, petit. Là, je tente sur les mecs à la touche, c'est quand même toujours mon petit. À la hache ? Ouais. Ouais, ils sont... Oh la vache, je prends trop de hits. Je vais perdre mon serveur. J'aurai plus d'argent. Enfin, je recommence tout. J'ai une vie. Ok, on est bon. Lui il donne un poulet. J'avoue que c'est plus pratique quand on se fait des petites flèches. T'as vu? Ah mais t'es déjà là? Ouais. Ouais mais je suis pas du speedrun. Moi je suis un speedrunner hein. Oh putain! Hades il se fait déboîte. Oh la vache, c'est dégueulasse à quel point ça va venir. Non mais honnêtement, j'ai juste bourré quoi. Et voilà, il est mort. C'est nul. Ah putain, l'arc il est tellement OP. Je suis arrivé avec 75 flèches, j'ai tout bourré. Et voilà. Ah, c'est peut-être pas fini. Il m'a redonné du temps. Ah, j'ai fait apparaître un truc. Ah bah voilà, je récupère ma fille. Ouais, la good ending. T'as récupéré l'âme de ta fille dans les flamèches? Ouais. Okay. Et voilà, good ending. Yes. Bon, vous croyez que j'ai combien de... Allez, on fait un petit... faites un pari. Combien de secrets vous croyez que je trouve? Ah, parce que j'ai fait continuless en plus. Hein. Du premier coup. Ah, mais je suis très très... J'ai perdu beaucoup de vie, pas. The new dawn is coming from the Achivosios. The dawn where people will write their own destiny. All thanks to a brave fisherman. Deux secrets, 12 sur 50. Waouh, vous êtes dur, lui. Enfin, les gars, les filles. J'arrête de genrer les gens. Pour les laisser libres d'être ce qu'ils veulent. 18? Non, mais plus que ça. Enfin, je sais pas. Faut que tu splits si t'as fini, Hades. Ah, au moment où tu récupères le machin truc. 31. Non, le kill. Dommage. Little Luna, Air Empress, Little Leia, Pixel Amaya. Oh, Pixel Art, c'est cool. 12. Putain, les gens votent pour 12, quoi. Dedicated to the Master Ray Ariuson. Je sais pas qui c'est. Ouais, une fois qu'on connaît, il est pas hyper. And thanks to you for playing. Je sais même pas si c'est un ending, c'est un générique différent. Mais en tout cas, là, il dit pas. Au moins, il dit pas jouer encore une fois, salaud. Ouais, voilà, t'as la fille en plus.
Non mais la dernière fois il disait ouais il, j'aurais aimé faire quelque chose tu vois. Ouais c'est le chat de repartie, il doit y avoir le meilleur champ. Ah ouais c'est ça. Et donc, roulement de tambour. 16 secrets c'est tout. Putain. Putain, il faut que je trouve un playthrough all secrets quoi. Et voilà.